Bonjour mes poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Nati. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, excusez-moi. Le câble il passe en dessous. Sinon, tout va partir. Voilà, en dessous de mon fauteuil. Voilà. C'est bien normal tout ça. Alors, donc. Je vous disais, j'espère que vous allez bien. Prenez vraiment que ce qui vous parle, parce que c'est une générale. C'est une générale, bien entendu, que c'est pas que vos énergies, uniquement vos énergies. C'est, mais un peu des fois, hein, j'ai des personnes qui me disent, ça va parler de A à Z, de d'autres qui me disent, pas du tout, enfin, pas du tout. Non, vous, en général, vous comprenez que si ça ne vous parle pas, vous comprenez que ça ne peut pas toujours nous parler. On n'est pas tout seul et toute seule. Hein. Ah, d'accord, j'ai compris. Bah, c'est bien, mais c'est tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Il est bon, vous foutez. On va. Oh, mais qu'est-ce que ça fait, là? Ça m'a fait toutes les pieds. Alors, bon, on va le laisser comme ça, espérons que l'ordinateur ne parte pas avec, hein, parce que c'est le câble de l'ordinateur. Et donc, en fait, ça ne peut pas toujours nous parler. Donc, on prend que ce qui nous parle. Et si ça ne vous parle pas, ben, ce n'est pas la fin du monde, il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, ma chaîne, c'est Nati Natura. Mon site, c'est natinatura.com et mon mail, c'est natalia16000nati@gmail.com. Tout ça, vous l'avez en dessous de la vidéo où il y a écrit afficher plus. On clique dessus, ça se déroule. Et vous l'avez. Parce que parfois, eh bien parfois, en fait, les gens le savent et d'autres non, en fait, hein, tout simplement. Merci pour vos abonnements, merci pour ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent, et puis pour ceux qui s'abonnent, vous avez aussi également s'abonner, mais aussi la petite cloche et une encoche comme ça, comme un V, et vous choisissez toutes, et c'est comme ça que vous recevez toutes les notifications de YouTube. Quand moi, je fais un post, je vous écris, donc je fais un post à ma communauté, quand je poste une ou des nouvelles vidéos, vous voyez, vous en aurez d'autres. Alors, allez, merci pour vos émoticônes, votre partage. Merci également pour vos commentaires, ça me fait plaisir. Merci pour tout. Allez, on commence. Donc, célibataire, en couple ou en relation, qu'on vive ensemble ou pas. Et ici, triangulaire. Triangulaire pour les tierces personnes, mais aussi également, peut-être, pour la personne qui est trompée. Pardon. Et qui a des doutes, qui le sait. Et que, en fait, eh bien, que ça vous intéresse. Ou pour la personne qui trompe, par exemple, dans son ménage. Par exemple. Pardon. Voilà, ça peut être ça. Alors, et triangulaire, il y a, et on est en justice, certains pour d'autres, là, au niveau de l'équilibre, on est touché, vous voyez. Alors, il y en a un des deux qui se réjouit de, alors, un des deux, hein, qui se réjouit du nouveau départ, vous voyez. Et là, j'ai aussi des couples ici, hein. Des couples qui, au contraire, vous, et bravo, félicitations, vous officialisez par rapport à votre couple, vous vous élevez à une étape supérieure, mais c'est officiel. Vous voyez un bébé ou un mariage ou fiançailles, enfin, à vous de voir. Hein. Félicitations, à moins que ça soit un projet, un bien et qu'on passe par le notaire ou des choses comme ça, par exemple, hein, d'accord? Félicitations, ça n'a pas été si évident que ça. Par contre, pour mes célibataires, et on verra tout à l'heure, il y a un nouveau départ.
il y a un nouveau départ parce que on a envie, parce que c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident dans votre vie sentimentale, mais aujourd'hui, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Alors, je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas envie, mais chez mes célibataires, on a envie d'accueillir, d'être dans la joie, dans les plaisirs, vous voyez, de la rencontre. Voilà, vous voyez, c'est deux colombes, d'être à deux en fait. Hein. Donc, il y a un nouvel amour ici, vous l'avez rencontré, c'est tout frais, ou vous allez le rencontrer, mes célibataires. Ça se trouve, vous l'avez rencontré hier, qui sait, ou que vous communiquez ensemble, hein, d'accord. Bon. La rupture. On coupe avec quelque chose, d'accord? On va rompre. Ou alors, ça peut être aussi... ça peut être que certains de vous, vous avez décidé d'arrêter la relation parce qu'elle ne vous convient plus. Ou que vous avez trouvé une autre personne, vous voyez? Ça peut être aussi également un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ et on tourne le dos au passé, voilà, à un ex ou une ex, ou qui va le devenir, vous voyez. Ça peut être aussi dans un couple ou dans une relation plutôt, ouais, ça peut être ça, hein. Là ou l'autre, on verra, vous verrez, vous ne vous correspondez pas finalement. Ouais, on a beaucoup donné dans sa vie, hein. Beaucoup, 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 beaucoup de son cœur, de cette énergie, on y a cru, vous voyez, chez mes célibataires, il y a eu des fausses promesses. En vérité, cette personne, elle s'est envolée, elle n'en a rien à faire, en fait. Elle vous a laissé dans cet état, vous voyez, le cœur serré et tout ça, dans la souffrance et tout ça. Ça, c'est le passé. Le passé, on va voir l'avenir, parce que passé, présent, avenir, forcément, ça va ensemble. Écoutez... Il y a une nouvelle personne qui vous attend, mais vous êtes très dans la prudence ici, hein, d'accord? Parce que vous tirez, c'est l'école de la vie, vous tirez des leçons. Et donc, vous allez être très, très, très attiré. C'est vrai qu'on peut s'emballer et se calmer. Vous voyez, se dire, mais il y a beaucoup, beaucoup d'attirance, vous voyez? Mais vous avez plus envie, vous avez envie d'être vous-même. Et on a plus envie, on a envie d'être soi, naturel. Et on n'a plus envie, vous voyez, de... Alors, faire des efforts, oui, mais pas à n'importe quel prix, justement. Et là, on est très prudent par rapport à cette personne, qu'elle ne soit pas là par intérêt ou qu'elle ne soit pas sincère. Vous voyez, j'ai ça. Et j'en ai d'autres. C'est vrai, vous avez eu mal, vous allez guérir. Et puis, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Et puis, vous sortez de cette solitude, hein, d'accord? D'autres, par contre, vous êtes dans la légèreté et ça, c'est votre droit. On n'a pas envie de se fixer avec cette nouvelle personne, mais on en profite. On est bien, vous voyez? On retrouve l'équilibre ici, le juste milieu. Et j'ai des personnes qui sont célibataires, oui, puisque c'est vrai que peut-être votre statut est encore de leur statut marié ou paxé, mais vous êtes en pleine rupture, vous voyez, on l'avait ici, et j'ai la balance de jugement. Et donc, en fait, ici, il va falloir régler les choses, et puis se tourner vers soi-même, hein, vraiment, vraiment, et se privilégier, à partir d'aujourd'hui, où vous le faites déjà, et bravo, se privilégier. Bon, bon, là, vous retrouvez l'équilibre, parce que vous rencontrez une nouvelle personne, un certain et certaine. Pardon, certains et certaines, vous démarrez ensemble, hein. Le cœur, il est presque entier, là. Il va être entier, hein. On guérit. Hein. Par contre, d'autres ici, vous avez du mal. Hein. Alors là, je vous le dis, franchement, on ne vous la fera plus. Hein. Vous allez être ultra vigilant, vigilante. Hein. C'est genre, on met... je sais pas, moi, c'est pas des lunettes. Hein. C'est genre un télescope. Genre, oui, là, on va être très prudent et prudente. Hein. Alors, en couple, je vais faire comme ça. En couple, j'ai besoin d'en dessous.
en couple ou mes poissons ou en relation. Que vous vivez ensemble ou pas sous le même toit. Et oui, j'ai des couples là qui se séparent. Et d'autres, je vous ai dit, hein, félicitations. Hein. Bon, par contre, j'ai de la triangulaire, elle est là. Ouais, c'est pour ça que c'est dur. C'est dur, c'est pour ça qu'on est dans cet état. Là, on réfléchit beaucoup, c'est le mental. C'est... on ressasse, vous voyez. C'est plein les turbines, hein, là. Et donc, bon, on va voir. Certains de vous vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui m'arrive. Il ou elle, il y a quelqu'un qui a fait de la magie, vous voyez. Et après, certains, après ça peut être un ex ou une ex, hein, qui vous souhaite de la magie, ou alors qui vous souhaite le mal à travers les pensées, vous voyez, les malédictions et tout ça, qui maudit, vous voyez. Vous avez des gens comme ça, hein, l'œil et tout ça. En tout cas, on est triste, on va pas bien, il y a une rupture. Et puis j'en ai un des deux qui est dans la superficialité, qui se fait beau, belle, qui fait le coq, qui sort, qui voit d'autres personnes, vous voyez, qui a changé, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et cette personne, elle se dit, un des deux, hein, qui se dit, je suis dans l'élévation et tout ça. Ouais, bon, ça va être après. Il y a les faire part et tout ça. Hein. Ok, ça marche, ça c'est le mariage ou les fiançailles, ça c'est de bon augure, on va voir. Et là, en fait, si vous voulez, il y en a un des deux qui a changé. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on me dit ici. Hein. C'est pas pour rien. Nouveau départ. Alors, soit vous allez vous élever avec le temps, prendre le temps de s'asseoir et de régler vos problèmes réellement, soit il y en a un des deux qui est parti voir ailleurs. Alors, c'est possible qu'on a vu aussi une ex ou un ex, d'accord, quelqu'un qu'on connaît. Ou alors, la triangulaire se passe avec quelqu'un qu'on connaît. La triangulaire se passe avec une voisine, un voisin, par exemple. C'est un exemple. Hein. Une amie ou un ami du couple, par exemple. Hein. Mais j'ai triangulaire. Voilà. J'ai triangulaire. Et ça, je vous l'avais dit en dessous. Et ça ressort, effectivement. Donc, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux ce cœur brisé avec les blessures et tout ça. Et puis cette personne est triste. Cette personne, elle est par contre dans l'obsession. Hein. C'est vraiment, on y pense, on est obsédé par les pensées négatives et tout ça, parce qu'il nous arrive et forcément, moi je le comprends. Hein. Je le comprends très bien. Et puis... on se dit... Alors, moi, j'ai quelqu'un très, très fier, hein, très... vous avez raison. Qui est très digne et j'ai quelqu'un, ça, ça part. J'ai quelqu'un qui se dit... alors, soit qui se dit stop. Stop, parce que la personne, elle a changé ou elle ne me convient plus. Et je l'avais dit tout à l'heure. Elle ne me convient plus, j'ai besoin de transformation, je me transforme, j'ai besoin d'autre chose, vous voyez. Parce que cette personne, elle ne me correspond pas finalement, elle ne me correspond plus aussi, hein, ça peut être ça. Ou je ne l'aime plus, ça peut être ça, j'ai plus d'attrait chimique, vous voyez. Ou à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui va dire non à son partenaire ou à sa partenaire. C'est pas possible par rapport à cette triangulaire ou par rapport à toutes ces crises dans ce couple et cette instabilité et cette situation.
et qui va dire fièrement que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça c'est à vous d'adapter, bien entendu, mais qui va dire non, non, moi je n'accepte pas ça, vous voyez, j'ai ça. Certains et certaines de vous, j'ai un autre cas de figure. Bravo et félicitations pour ceux qui vont se marier ou venez peut-être vous marier ou vous êtes peut-être un nouveau couple. Ça, c'est possible. Mais y allez faire part. Après, ça peut être les fiançailles, ça peut être la vie commune, qu'on signe des papiers, des documents. Après, c'est possible qu'il y en a un des deux qui se dépaxe ou qui se libère. Et que ça arrive, et donc du coup, qui va dire ouf, vous voyez, un des deux. Hein. Par contre, moi j'ai ici quelqu'un ouais, qui a des sentiments, qui est dans l'obsession complètement par rapport à l'autre, et j'ai quelqu'un qui espère complètement. On va laisser passer un autre. Ils adorent les motos qui font des vont des CDD. CDD, CDD ça. CDD avec sa grosse moto. Non mais ils adorent, même ils viennent en quad, alors je crois que c'est interdit en ville, j'en sais rien. Après moi c'est une toute petite ville. Il n'y a que les champs, alors j'en sais rien. Bref, c'est pas grave. Mais c'est comme ça, il fait beau aussi, ils profitent aussi avec leur moto, hein, c'est normal. Hein. Oui, bon. Est-ce que ici, on espère que ça s'arrange dans notre couple, vous voyez, un nouvel envol, une nouvelle prise, de la nouveauté, on espère, ça c'est possible. Là, là, ça m'intrigue, moi, ça. Ok, on est en train de réfléchir là. Okay, c'est bien ça. J'ai quelqu'un là, vous avez deux personnes là, dans votre vie et dans votre tête. Là, vous êtes à vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Quelqu'un, vous avez deux personnes. Il y a une personne finalement, il y a quelqu'un qui est toxique en tout cas pour l'autre. Et j'ai quelqu'un qui est toxique où on a de la dépendance affective, peut-être pour un ex ou une ex, ou alors un ex ou une ex a de la dépendance par rapport à vous. Et vous, vous êtes avec une nouvelle personne. Ça, c'est fort probable. Mais moi, j'ai quelqu'un, vous n'êtes pas tout seul. Dans votre vie, il y a deux énergies là-dedans. Donc, à vous de voir. Et là, magnifique, il y a l'élévation à une étape supérieure, là, c'est félicitations. Ça peut être grossesse naissance aussi, hein, attention. Mais on est dans la joie, dans le bonheur, la chance, vous voyez, l'union fait la force, en fait, c'est vraiment beau. Voilà, c'est tout ça. Ok, je les mélange tout de suite. Ok. Alors, triangulaire. Ceux que ça intéresse, voilà, je vais le dire comme ça. L'écroulement, je l'ai vu en dessous. Voilà. Elle est où? Je l'ai vu. La maison de Dieu. L'écroulement. Eh ben, voyons. Eh ben, dis donc. Ok, que vous soyez un homme ou une femme, il y a triangulaire bel et moins bien, puisqu'on le fait. Et sexualité, rencontre coquine, c'est tout ce qui est à l'extérieur, vous voyez, du couple. Et on est épanoui là-dedans avec une tierce personne, d'accord? Oups, 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 oups. Et tout se fait en cachette, hein, d'accord? Mais attention,
Attention. Elle n'a pas voulu sortir. Mais je vais la prendre quand même. On va voir laquelle qui suit. Attention ici. Voilà. C'est bien ça. Attention ici. Eh oui. Il y a quelqu'un ici, d'accord? Qui va prendre du bon temps et qui va jeter l'autre. Donc ça peut être l'autre, ça peut être la tierce personne, mais ça peut être aussi en couple, d'accord? Qui va jeter l'autre? L'autre personne, d'accord? Et donc je dis l'autre parce que je ne peux pas dire votre, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Donc, et ça ne fonctionnera pas. Trahison, coup bas. Il y aura de la dispute. Et il y a quelqu'un qui se sent bloqué, d'accord? Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui bloque l'autre. Alors, est-ce que on prend du bon temps avec la tierce personne et on revient dans son couple, vous voyez? On revient dans son couple et puis du coup la personne elle vous bloque au téléphone, les réseaux et tout ça. Et reprend tranquillement son chemin dans son couple. Et puis j'ai quelqu'un à l'inverse qui ici est bloqué. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à votre autre, je vais le dire comme ça. Et là, il y a eu des disputes, écrasement, on écrase les roses ici, comme si on écrase un peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, des deux équipes. Et là, on peut, il y en a un des deux qui se sent bloqué là, parce qu'il y a des sentiments en fait. Et il y a coup bas et trahison ici, hein, d'accord? Et en plus, coup bas et trahison, et celui ou celle qui trahit progresse, vous voyez, continue sa vie comme si rien ne s'est passé finalement. Ben, elle est là la progression, parce que je regardais l'énergie. Progresse comme si rien ne s'est passé, d'accord? Moi, on me dit ici, j'ai quelqu'un, une consultante ou un consultant, ou alors une des trois personnes, par exemple, qui dit, je suis dans l'épanouissement aujourd'hui, j'ai réussi à reconquérir mon autre. Donc c'est à vous d'adapter. Ça peut être un des deux dans le couple qui se dit, j'ai réussi à reconquérir, mais ça peut être aussi une tierce personne qui se dit, j'ai réussi à le ou la reconquérir. Vous voyez, j'ai ça aussi ici, hein, d'accord? Là, il y a quelqu'un vraiment, vraiment qui part, qui vient faire sa petite affaire et qui s'en va et qui sait que de toute façon, il n'y a pas de sentiment. Et qui est capable, le pire, de dire oui, je t'aime en vous regardant droit dans les yeux. Le pire. Donc placez-vous, puisque les énergies sont interchangeables, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, comme ça. Donc placez-vous. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui se dit je te bloque et je passe à autre chose. Moi je progresse, je te bloque.
Et la personne, effectivement, elle est bloquée. Elle est bloquée. Mais même le ressenti, vous voyez les émotions, vous voyez la triste mine, que vous soyez un homme ou une femme. Là, j'ai quelqu'un qui est vraiment qui va pas bien, quoi. C'est logique. Et c'est un non, hein. Donc on lui a dit non. Et c'est terminé. Vous voyez, donc je comprends mieux ici la fin et l'écoulement. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, qui a pris une décision, qui progresse. Et là ici, papotage, conversation. Et travail, là il y a un travail à faire sur soi-même, ou qui dit oui, j'ai trop de travail, ou vous voyez ce que je veux dire, je suis occupé, j'ai pas le temps, ou des choses comme ça qui ment. Et là, c'est vrai que j'ai quelqu'un ici qui se redonne la chance, hein, complètement, et c'est une réussite. Hein. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Par contre, il y a quelqu'un qui va le savoir ici, hein. C'est pour ça qu'il y a cette dispute, hein. Qui va savoir pour les rencontres ou la rencontre coquine, le sexe, qui va l'apprendre, qui va le découvrir, ou que quelqu'un va dire. Et oui, l'autre fois, un monsieur me disait, je l'ai appris par mon propre frère. J'ai dit, mais ah bon? Et oui, mon propre frère a vu ma femme rentrer dans l'hôtel avec son amant. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, il y a différentes façons de l'apprendre. Et là, je vois, il y a quelqu'un qui apprend ici. Il y a la vérité qui va se savoir. Mais par contre, méfiance, méfiance. Moi, j'ai quelqu'un qui est là que par intérêt. Et hop, qui s'en va. Comme cet avion. Allez, hop. On fait un petit détour. Et hop, on s'en va. Vous voyez? Et on laisse la personne dans cet état. Et la trahison coup bas. Et oui. Donc, ouais. J'ai vraiment ça. Tierce personne. Ouais. Tu caches quelqu'un qui est là par intérêt, on me dit. Hein. Vraiment, vraiment. Bon, vous prenez que ce qui vous parle, profitez-en de. Bon, on n'est plus pas sur la même longueur d'onde, ces filles. Prenez que ce qui vous parle ici, et puis. Ou alors quelqu'un qui vous a promis d'aller en vacances, et puis qui annule, vous voyez. Mais de toute façon, cette personne. Elle n'est pas sincère du tout, du tout, du tout, du tout. Ça va au-delà de. Je parle même pas de. Puisqu'on est dans la triangulaire de la tromperie, ça va au-delà. C'est la fourberie, c'est beaucoup de choses. Donc, vous adaptez qui est qui, bien entendu. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas la fin du monde, mon Dieu. De toute façon, je supprime automatiquement. Hein. C'est pas la peine de me dire. Comprenez-moi. C'est pas la peine de me dire non, ça me parle pas alors que je vous ai prévenu auparavant. Ça veut dire que vous comprenez pas et c'est pas possible parce que c'est pas de vouloir être désagréable avec vous, loin de là. Mais pour nous, c'est vrai qu'on vous explique les choses, on vous dit bien que ça peut pas toujours parler, c'est pas possible quoi. Ça va pas parler à tous les poissons de la planète, c'est impossible et pour tous les signes, c'est comme ça d'ailleurs, hein, d'accord? Que vous soyez en solaire, lunaire et tout ça, ou en Vénus ou ascendant, ou que vous regardez pour quelqu'un. Voilà quoi. Et des fois, bah oui, ça vous parle. Bon, en attendant, merci pour vos likes, vos émoticônes, vos commentaires, pour vos pouces, pour tout, tout, tout. Et prenez bien soin de vous, hydratez-vous aussi. Et à bientôt. Bisous, I love you.